Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série No Man's Sky. La dernière fois, on s'était quitté sur cette planète, sur la planète qu'on venait de claim avec le base computer. Et je vous avais promis que je construirais ma base. Alors nous voici. Si vous êtes prêts, on commence. Alors notre premier objectif, c'est d'abord de construire un abri contre les tempêtes. Il faut crafter un timber floor panel. Alors on rentre là et on a tous les crafts qu'on avait unlocked dans le dernier épisode. Donc on doit crafter ce sol. Il faut d'abord trouver une zone plate. C'est pas très plat sur cette planète où je vais bien pouvoir construire. Vu qu'ici il n'y a rien qui est bien, je vais devoir enlever la base. Alors je vais monter. On va explorer un peu la zone pour trouver un endroit où je pourrais me poser et construire la base. Cette planète, elle a beaucoup de montagnes. Elle est beaucoup mieux que l'île où on avait spawné dans le premier épisode. Le meilleur spot, c'est là où je suis. Alors voilà, j'ai atterri ici et ça m'a l'air beaucoup mieux que là-bas. D'abord, je vais placer le portable refiner ici. Voilà, on replace le base computer et on claim la base. Ah là là, incroyable. Maintenant qu'on a trouvé où construire, on va commencer à construire. On prend le sol. Je l'ai mis là. Parfait. Alors on peut les placer les uns à côté des autres et ça fait une seule et grande plateforme. Alors en plus du sol, on a la possibilité de mettre des murs. Un là, ok. La tempête arrive, mais les matériaux de construction sont bas. Je vais déposer les plans d'abri. J'ai besoin de retour prochainement. C'est quoi ça? Ça fait peur. Vous croyez que je peux prendre mon vaisseau et me cracher dedans? Mais bon, je pense que c'est possible. Cette fois, c'est sûr, je ne risque pas de manquer de carbone. What? Un tremblement de terre? Une pluie acide? Oh là là, faut faire vite. Je place la porte là. Maintenant, faudrait que je place un toit. Non mais mince, je n'ai pas assez. Non mais vous êtes sérieux? Le pire, c'est que je vois même pas. Oh mince, ma résistance à la tempête, elle baisse rapidement. Maintenant, faut vite. Je place les toits et je me mets en dessous. J'ai encore besoin de fer. Allez, voilà. Oh là là. Oh, il y a encore un trou. Ok, nice. Nous voilà dans la base. Bon, bah, on a eu un petit imprévu. On a dû faire plus rapidement. Mais waouh, ça a un flow de fou. Bon, bah, va falloir le redétruire encore une fois. Construction large est un succès. J'ai récupéré les salvage data de proches, plans, logged. Je vais prendre les plans, ok. Je peux construire un construction research unit. Maintenant, il faut que je récupère de la poussière de fer. Et on dirait que la tempête s'est dissipée, c'est cool. Donc on a besoin de fer magnétisé. Alors on met du fer. Ok. Ensuite, on prend le pur fer, on le met là et on obtient du fer magnétisé. Mais il nous faut une quarantaine. Voilà, on a assez. Il nous faut encore un nanotube de carbone et on est bon. Maintenant, je vais pouvoir placer la Construction Research Unit. Voilà. Je vais rechercher des technologies constructables. Oh. Alors, pour construire de nouvelles choses, il faut que je trouve des salvage data qui sont enterrés dans les buried technologies. Alors, je prends la vissière et voilà par exemple un. Il y a un juste à côté de moi, c'est cool. Je vais le tag pour le voir en continu et j'y vais. Je creuse. Oh, et le voilà. Je prends le technology module. Je vais aller prendre un autre au cas où on aurait besoin parce que ce serait embêtant de faire des allers-retours. Alors ma température, elle augmente vraiment rapidement. Qu'est-ce que je peux faire? Et bien évidemment, comme par hasard, quand je quitte la base, eh ben, il y a une tempête. Je creuse, ok, voilà. Là, à 200 unités. J'espère y arriver à temps. Heureusement, quand on arrive dans la base, la protection contre les tempêtes, elle se recharge automatiquement. C'est un téléporteur. Et il me faut deux. Et voilà, je les unlock. Donc, pour faire le téléporteur, il faut 4 metal plating, 2 nanotubes de carbone et 40 de sodium. Bon, bah, allez, je vais les faire. Ok, nanotube, check. Voilà, metal plating, check.
Maintenant, il faudrait chercher du sodium. Alors voilà un. Ah mince. Je peux pas le casser, bien évidemment, parce que mon laser n'est pas assez puissant. Il n'y a pas de sodium sur cette planète ou quoi? Genre, il n'y a vraiment aucun sodium. Vous êtes sérieux là? C'est quoi ça? What? Un container endommagé. D'accord. J'ai récupéré des munitions de projectiles. Toujours pas de sodium, non mais what? C'est quoi cette planète? Oh, voilà du sodium. Par contre, je me suis beaucoup trop éloigné de là-bas, juste pour trouver du sodium. Et c'est au bord de la falaise. J'ai failli tomber là. Mais c'est quoi leur problème à pousser au bord de la falaise? J'ai peur que cette eau soit toxique, je ne veux pas tomber dedans. On a assez de sodium, maintenant il faut retourner à la base, qui est à 350 unités de là. Super. On est enfin de retour à la base. Maintenant qu'on a tous les matériaux pour crafter le portail, le voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est classe. Il a besoin de courant électrique. Comment on obtient du courant, je ne sais pas. Peut-être que c'est un truc qu'on va apprendre dans le Construction Search Unit. Un petit générateur de courant. Ok, parfait. Et on a un salvage data, exactement ce qu'il nous faut. Alors pour le crafter, il nous faut un metal plating. Mais bien évidemment, on n'a pas assez. On a une géode dans notre inventaire et ça nous a donné plein de fer. Voilà, on a assez. On place ça là. On doit lui mettre dedans de l'essence. Et comment on fait pour le relier au portail? Ah, voilà une lampe. Il faut crafter un fil électrique. Ah bah voilà, c'est simple. Ok. Et je relie le portail. Voilà. Je vais aussi relier à la lampe. Voilà. Mais c'est trop nul comme lampe en fait. Ça sert à rien. Donc je ne peux me connecter qu'à la base où je suis maintenant. Mais je n'ai pas de connexion non plus. Et il y a une catégorie qui s'appelle station spatiale. Agrandir la base. Et voilà, maintenant le base computer est à l'intérieur de la base. Même s'il est coupé en deux, mais bon. Le scanner a détecté un broadcast anormal répété 16 de la station spatiale. Attention, fin de l'archive, enregistrement interrompu. Alors il n'y a plus d'archives dans le base computer, c'est fini. Et je ne vais pouvoir rien apprendre de ces personnes. On dirait que mon prédécesseur a quitté pour aller à la station spatiale. Alors maintenant, il nous demande de nous envoler vers la station spatiale. Bon bah, let's go. Elle est trop belle, what? Et c'est immense, hein? Et voilà, je suis arrivé à la station spatiale. Ok, maintenant je dois explorer la station spatiale. Oh là là, what? Il y a des monstres qui vivent ici. D'accord. Et voilà un portail. Et je peux me téléporter à ma base. C'est cool. Alors on dirait qu'il y a des magasins. Un cartographe. Un agent de mission. Ça c'est quoi? On peut acheter des trucs et on peut vendre aussi. Alors là, on peut améliorer l'exosuit. Carrément, j'ai eu une case en plus. Ouais, j'ai eu une case en plus dans mon inventaire. D'accord. Je peux aussi changer mon apparence. Mais je vais rester en Among Us. C'est plus cool. Et ici, je peux modifier l'apparence de mon véhicule. L'alien, grand et intimidant, et essaye d'être amical. Peut-être il sait d'où je viens. Je lui demandais à propos des travelers. On dirait pas que l'alien a compris. Et de son expression, on dirait que la conversation est terminée. Non mais les autres, c'est de vrais NPC, genre, ils nous passent à travers. On comprend de moins en moins avec ces gars. 16. On t'observe, ami aventurier. Trouve ce qu'on t'a laissé. Même si l'alien parle, ce ne sont pas ses mots à lui. On dirait qu'une ligne de code a été transmise vers mon exosuit. Je dois quitter. Peut-être que mon base computer peut m'aider à faire quelque chose de ce code. Attends, vous croyez que je peux me téléporter directement? Et je garde mon vaisseau ici. Je vais y aller. What? Incroyable. Et on retourne à la base directement.
Et par contre, mon vaisseau, il reste là-bas ou comment ça se passe? Ils me le rapportent eux-mêmes, non mais incroyable. J'ai commencé à décrypter le code. L'aventurier trouve ses ailes, vole vers nous et claim ta place parmi les étoiles. Ok. Alors ils ont retrouvé un signe de détresse. What? C'est quoi ça? Alors apparemment le signal il provient d'ici. Alors le signal m'a emmené vers ce vaisseau, tout cassé, avec plein de fragments de métal partout. Est-ce que ce n'était juste qu'une ruine abandonnée d'il y a longtemps? Mais parmi les débris, j'ai trouvé la log d'un pilote. À la place de me montrer les logs du vaisseau, et le terminal m'a envoyé des nombres bizarres, une suite de nombres bizarres, et qui sont suivis d'un petit message. L'anomalie provient des étoiles. Prends un vol. Un schéma est accroché avec la log. Et j'ai découvert une nouvelle technologie qui s'appelle le hyperdrive. Ce hyperdrive, il me permet de me déplacer entre les galaxies, entre les systèmes, d'une façon très rapide. Oh, incroyable. Ça veut dire qu'on va pouvoir explorer de nouveaux systèmes, alors qu'on n'a même pas fini l'exploration d'une autre. Alors d'abord, je dois l'installer au vaisseau. Il me faut le chromatique, 125 chromatiques métal et des microprocesseurs. De ce que j'ai compris, on peut tout vendre. Alors voyons voir. On peut acheter ça, mais on peut aussi vendre. On dirait que le métal rouillé, il ne nous sert pas à grand-chose. En plus, ça se vend pour un bon prix. Ok. Je vais vendre ça vu que ça ne nous sert pas à grand-chose. Les ammunitions aussi. Et voilà, j'ai 15 000 unités d'argent. Et il me faut 137 000. Dans le Starship, j'ai 694 de copper que je peux vendre. 30 000! Notre source principale de revenus, ce serait de casser les grands dépôts, comme on l'a fait dans le dernier épisode de Copper ou bien d'autres, pour avoir plein d'argent. Vous croyez que je peux voler le vaisseau des autres? Ah non. Et maintenant, on doit chercher des dépôts. Je vais aller à ce dépôt de Copper. Ensuite, je verrai si je vais vers un autre de sel. C'est tellement grand. On a fini de ce dépôt et on a récupéré 783 de cuivre. Encore plus de ce qu'on vient de vendre. Maintenant, il y a ce dépôt immense de fer. Ok, et là, on a récupéré 123 de sel. Ok, cette fois, on a récupéré environ 200. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va aller à la station spatiale, voir combien ça se revend. Maintenant, voyons voir les prix. Salvage Data 1 pour 55 000. What? Genre, pour 700 cuivres, c'est exactement le même prix. Qu'est-ce que c'est rentable? Alors je vais garder le blé pour pouvoir en faire une farm avec le salvage data. Ça me donne tellement envie. Bon, je vous dis quoi, allez, voilà, vendu. Oh, alors l'objectif c'était juste pour avoir assez d'argent pour en acheter. Maintenant, je dois récupérer le chromatique métal. Maintenant, je dois récupérer 250 de copper. Et j'en profite pour voir si je peux rentrer dans ce vaisseau. On le rattrape. Il n'est pas si rapide en vrai. What? Qu'est-ce qui se... What? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, what? Et il est passé où le vaisseau au juste? Bon, de retour à la base, il faut crafter 125 métaux chromatiques. Ok, nice. Maintenant que c'est terminé, on va pouvoir enfin équiper les hyperdrives à notre vaisseau. Alors, on rentre ici, on équipe les métaux chromatiques et les microprocesseurs. Et voilà, le tour est joué. Nice. Maintenant, on a terminé l'installation du hyperdrive. Mais malheureusement, on va devoir garder le test pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bise. Waouh, c'était rapide cette fois.